Siete in forma? Vi porto a Milano oggi. Alors, au programme, le château des Sforza, le parc Sempione, la via Dante, piazza Cordusio, il Duomo et la galerie Victor Emmanuel. Le reste fera l'objet d'un prochain épisode. Donc, je vous souhaite une belle découverte. Autant dire que vous sortir l'épisode de cette semaine n'a vraiment pas été chose facile. J'ai mis 3 fois plus de temps que d'habitude en raison d'un problème de souris, de logiciel ou de je ne sais quoi d'autre, problème que je n'arrive toujours pas à résoudre. Donc il est possible que l'épisode de la semaine prochaine soit reporté à une date ultérieure. Nous allons donc aujourd'hui à la découverte de la ville de Milan, qui est la ville la plus importante du nord de l'Italie. Elle se situe à une demi-heure de la Suisse. Milan est une ville industrielle, mais c'est aussi la capitale de la mode et du design. Son histoire est très riche. Elle a été fondée par une tribu celtique vers 590 avant Jésus-Christ, conquise par les Romains en 222 avant Jésus-Christ. C'est également l'une des places financières les plus importantes au Moyen-Âge. Elle a fait partie du Saint-Empire romain germanique, a été sous domination française, sous la domination des Habsbourg d'Autriche et des Espagnols. Elle a rejoint en 1859 le Royaume d'Italie. Milan est considéré comme le cœur industriel, commercial, financier et universitaire de l'Italie. C'est également là que siège la bourse italienne. Nous allons dans un premier temps visiter le château des Sforza, qui a été construit au 15e siècle par Francesco Sforza, le duc de Milan. Ce château abrite actuellement de nombreux musées. Voici maintenant dans la Via Dante, l'une des rues principales qui mène donc du château des Sforza au Dôme. Alors Dante est l'un des 3 grands auteurs italiens qui sont vraiment très très importants en Italie. Dante Alighieri est écrivain et poète au XIIIe-XIVe siècle. Il est l'auteur de la Divine Comédie et considéré comme le père de la langue italienne. Voici maintenant à Piazza Cordusio. C'est donc une grande place entourée principalement de bâtiments, de compagnies d'assurance et de banques. Thank you.
nous voilà arrivés au fameux Duomo. Duomo signifiant cathédrale. Alors cette construction a débuté en 1386 et elle a duré 5 siècles et demi puisqu'elle a été achevée en 1932. C'est la troisième plus grande église du monde après la basilique Saint-Pierre, donc à Rome, au Vatican, et après la cathédrale Notre-Dame du siège de Séville. Sa hauteur maximale est de 108,50 m. Voici la galerie Victor Emmanuel. Alors c'est une galerie commerçante historique, de prestige, de style néoclassique à tendance baroque et qui remonte au 19e siècle. Sa construction a duré 11 ans. La galerie a été inaugurée le 1er janvier 1878 par le roi d'Italie de l'époque, Victor Emmanuel. Elle est aujourd'hui occupée par de nombreuses boutiques de grand luxe et de nombreux restaurants. C'est la fin de la visite de cette semaine. Nous aurons l'occasion de retourner à Milan pour d'autres épisodes. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt !